Alors bonjour et bienvenue dans la classe de 6e. Donc comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas d'un grand effectif pour cette classe et ça a un avantage certain, c'est que ça nous permet de bien connaître chacun des élèves ici présents. Ça nous permet de mieux les encadrer, de mieux cerner leurs difficultés et j'ai envie de dire c'est la symbole même de tout le collège, de l'ensemble du collège. C'est un petit collège, une petite structure qui nous permet d'accueillir des effectifs réduits et de suivre les élèves jusqu'au bout de leur scolarité, de la 6e jusqu'à la 3e. Autour de cet univers qui est constitué dans le Seigneur des Anneaux. Cet univers, est-ce que vous savez le nom que porte le pays que décrit Tolkien? Raphaël, tout à l'heure, tu nous parlais de plusieurs civilisations. Oui, plusieurs. Les orques, les nains, oui. Et les humains. Est-ce que tu te souviens du nom de leur pays? Ils vivent dans quel univers, dans quel monde? Ils portent un nom, le monde. Alors, 1/2, ça fait 0,5. Donc, tu écris 0,5. Et tu as rajouté 30 secondes ici, donc plus que 30. Et on a un total de 150 secondes. Ok, ensuite, il fallait couper le tableau de proportionnalité. Sacha, viens nous faire. Quentin ? PS, il y a un passage de ton dernier mail que je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu ne te trouves pas assez beau pour jouer Roméo ? Cela me paraît bizarre car sur ta photo, même si on ne voit pas tes yeux, tu as l'air plutôt mignon, malgré ton maillot de foot. Alors, vous avez remarqué, ce roman il est composé d'un échange de mails entre le destinataire et l'expéditeur. Est-ce que quelqu'un peut rappeler comment ça s'appelle un roman qui est uniquement composé de l'échange de lettres? Wenan ? Un roman épistolaire. Très bien, un roman épistolaire.
classe de collège dispose d'une heure d'aide aux devoirs par jour, principalement située en fin de journée de 16h45 à 17h40. Ces heures d'aide aux devoirs sont dispensées par des enseignants de la classe et ont pour objectif d'aider les élèves à faire leurs devoirs. Je vais mettre ici l'ouvrage de Voltaire, mais je ne sais pas trop comment tout mettre en place. Écoute, le mieux ce sera encore peut-être que tu retournes l'affiche, histoire qu'on ne doive pas en fait se retourner pour pouvoir lire. D'accord. Et ensuite tu peux lister par exemple d'un côté les contes philosophiques de Voltaire, d'un autre côté peut-être ses autres écrits dans les pièces de théâtre. D'accord. Voilà, ça peut être une solution. Nous sommes élèves en quatrième, nous avons choisi l'option découverte professionnelle. Tous les mercredis après-midi pendant 3 heures. Pour découvrir tous les métiers. Comme menuiserie. Mika auto. Mika poids lourd. La route. Froid et climatisation. Et électrotechnique. Bonjour, bienvenue en classe 3ème A. On est en anglais de classe. Nous travaillons sur notre rapport de stage. À 14-15 ans, c'est compliqué de savoir son orientation et ce qu'on veut faire plus tard. Mais le fait d'aller en atelier, en stage et au CEO, ça nous a beaucoup aidé. En troisième général, nous avons une semaine de stage pour découvrir le milieu professionnel. Car plus tard, j'aimerais faire un bac pro professionnel. En troisième général, pour choisir notre orientation, nous avons été visiter les ateliers de notre établissement. De plus, des lycéens sont venus nous présenter l'apprentissage, le pro et le général. Pendant les heures de 8 classes, nous travaillons sur l'orientation. En effet, à la fin de l'année, nous avons le choix entre seconde générale et seconde professionnelle.